بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، mes frères et sœurs, أبنائي بناتي، mes fils et mes filles، أصدقائي صديقاتي، mes amis et mes ennemis. والله، non, c'est pas mes ennemis. Mes amis et mes amis. أعدائي عدواتي، mes ennemis et mes ennemis. Tous, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je lui demande de vous combler de bonheur ultime, du bonheur ultime. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices, soyez sincères. Soyez sincères. Je me déploie pour vous aider. Et je compte sur vous, inshallah, pour être sincères. Je demande aux musulmans de commencer à partager les rappels sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez apparemment un maximum d'amour pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ne se manifeste pas quand vous rencontrez des rappels. Donc je vous demande par Allah de les partager. Ça ne vous coûte rien. Et ça ne me rapporte rien. Ça vous coûte rien et ça ne me rapporte rien. En termes de calcul pécunier, en termes de calcul du bas monde, moi je ne gagne rien avec ça. Au contraire, vous savez, alhamdoulilah, depuis le temps que vous m'observez, que ça ne m'attire que des malheurs et des problèmes et des attaques et des insultes et des menaces et tout ce que vous voulez. Donc je compte sur vous pour les partager, s'il vous plaît, pour être sincère et pour vous métamorphoser, s'il vous plaît. Montrez un minimum de signes d'amour à votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sinon c'est la honte totale et vous rendrez des comptes. Ils nous rendront tous des comptes. Donc le postulat de base, il stipule que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un imposteur. Il a inventé le Coran. C'est un barbare, un sanguinaire, un déstabilisateur, un mauvais, un méchant. C'est ça, c'est ce qu'on vous a raconté sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque vous avez donné vos têtes et vos cerveaux à la cathode. À vos médias. Ils ont façonné un esclave. Ils ont façonné des esclaves, malheureusement, qui ne sont pas libres de leurs pensées, ni de leurs mouvements, ni de leur cœur, ni de leur âme. Malheureusement, ils se pensent libres, en plus. Donc, vous allez devoir, une fois pour toutes, inshallah, récupérer votre liberté, et vous allez devoir, une fois pour toutes, commencer à réfléchir. Et moi, je vais essayer de vous aider, inchallah. Je vais vous donner des indications que les meilleurs médias du monde ne vous donneront jamais. Donc, on commence par encore, donc c'est toujours la même série, miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont infinis. Je vais passer toute ma vie à vous les citer, inchallah, et vous allez voir qu'ils sont une infinité. À une époque, nos chouyours comptabilisaient un millier. Mais je vous dis, c'est une infinité. Surtout quand vous poussez le raisonnement à l'extrême, et quand vous nous aidez à pousser le raisonnement à l'extrême, quand vous dites qu'il a inventé le Coran, il n'y a pas mieux que celle-là, pour vous donner une infinité de paroles. Mais il y a d'autres, alhamdoulilah, une infinité de miracles. Ramadan 2015. Le Ramadan 2015. Cette année, il est tombé dans une partie du mois de juin, et c'est l'un des mois de juin les plus douloureux, les plus chauds, les plus intenables, les plus difficiles, je pense, depuis que je suis en France, Wallahu a'lam, moi qui viens du désert, qui a connu dans le désert 54 degrés à l'ombre parfois, 40, 45, c'est pratiquement le quotidien. Et 30 et 35, c'est l'année. À l'année, c'est 30 à 35. Mais quand l'été arrive, on arrive à 45, 50 facilement.
J'ai déjà vécu une époque, pas si lointaine que ça, à 54 degrés. Et je trouve que ce Ramadan, le mois de juin en France, n'est pas simple. Lourd. Il est aussi, c'est les journées les plus longues aussi. On fait 18 heures de jeûne, imaginez. Même 18 heures et peut-être et demi. Il y a des villes, ma ville à moi, c'est le Fajr. L'aube, c'est à 4 heures. On va dire, allez, on pousse le raisonnement à l'extrême. J'arrête de manger à 4 heures moins 5, imaginons. Il y a des gens qui arrêtent 30 minutes avant. Et le crépuscule, il est à 10 heures, 10 heures et quelques. Donc, comptabilisons, nous avons 18 heures de jeûne. On jeûne rapidement. Et on doit partir à la mosquée pour prier, alhamdoulillah. Et on rentre chez nous vers 1 h du matin. D'accord? Donc imaginez ce programme. Et dans votre entourage, il y a les élites, des élites, il y a de tout. Donc dans vos vies, vous avez des élites. Le médecin, le chirurgien, l'homme le plus brillant, l'homme qui travaille, la femme qui travaille, vous avez vraiment tous les profils dans vos entourages. Et vous voyez que majoritairement, ça ne se discute pas. Ils font le Ramadan, ils sont comblés, ils regrettent chaque jour qui passe, du mois de Ramadan. Et ils attendent avec impatience l'autre Ramadan. Et quelle que soit la difficulté, avec vraiment beaucoup de difficultés, les mosquées sont pleines à craquer. Alhamdoulillah. Et il y a parmi ceux qui jeûnent de tout, mais il y a des gens qui attendent avec impatience d'atteindre la piété que le Ramadan annonce. Ils demandent à Allah, ils font des invocations, ils font des efforts, ils donnent de leur argent, ils fournissent des efforts, ils font, ils font, ils font, en espérant d'atteindre la piété. Je vous pose la question, donc vous allez me dire, oui, mais tout ça par rapport au miracle, il est où le miracle? Est-ce que vous avez connu sur Terre un homme bédouin ou un homme tout court de n'importe quelle période de l'univers qui a su, qui a pu mobiliser 1400 ans après des gens à ce point? Est-ce que vous le connaissez, s'il vous plaît? Donnez-moi son nom, il m'intéresse. Donc, vous vous êtes pas posé la question que tous ces gens-là qui vous entourent, partout dans le monde, attention, là où tu pars, là où tu mets tes pieds, partout, vraiment, dans toute la terre, subhanallah, il y a des gens de toute origine, de tout âge, de tout statut social, de toute race, majoritairement, ne me parlez pas d'anciens musulmans mécréants qui ont changé leur religion. En général, vous les connaissez, ce sont des shayatins, les pauvres, instables, qui finissent suicidaires, les pauvres, et dépressifs. Je vous parle de la majorité écrasante des musulmans. Comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un homme qui a existé il y a plus de 1400 ans, avec des Arabes, avec des hommes et des femmes arabes, qui n'ont rien apporté à l'humanité, et qui étaient très arriérés, comment il a su avoir cette influence phénoménalement formidable, incomparable, comment il continue à influencer des vies de tout âge, de tout horizon, de tout statut social, de tout et de tout et de tout, et de tout pays. Comment? Expliquez-moi, aidez-moi, j'ai besoin de vous. Et surtout, vous avez besoin d'un minimum de sincérité. Vous avez besoin d'utiliser votre intelligence. À défaut d'utiliser vos cœurs, vos âmes, utilisez votre intelligence. Est-ce que vous connaissez un homme qui continue, juste après sa mort? Juste après sa mort. Allez, quelques jours après sa mort, influencez. Imaginez 10 ans, 30 ans, 100 ans, 200 ans. Vous connaissez vos hommes de l'histoire, de votre histoire. Juste après leur mort, c'était. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam continue à influencer. Vous pouvez le comparer avec Jésus? Essayez. Essayez de le comparer avec Jésus. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.